Fond d'honneur, qui est le secrétaire général de la province de Tinguir, à mes côtés. Et je vous demanderai de l'applaudir. Il a fait très long coup pour venir simplement nous voir. Le sujet de Max 25, c'est aussi un sujet d'exportation. Je ne vais pas rentrer dans les grands tableaux, mais il est clair que les entreprises sont amenées à prendre un marché d'exportation et que peut-être, il y a une voie possible avec un pays dont la Belgique est partenaire depuis près de 45 ans, qui est le Maroc. Les investissements sont quand même relativement importants, d'autant plus que la Belgique a doublé ses investissements cette année. On est sur une barre maintenant de près de 80 millions d'euros investis sur le pays et dispatchés sur certaines provinces. Voilà. Donc en fait, ici, on est devant un bâtiment auquel je suis tombé sous le charme, et comment ne pas faire autrement. L'objectif ici, ce sera d'occuper ce bâtiment à partir du 1er janvier et d'organiser là-bas des réunions belgo-belges et belgo-marocaines. Donc il faut savoir que ce sera un peu le camp de base de Max 25. D'ailleurs, comme vous voyez, on a déjà fait passer nos signatures. Et en fait, ça nous facilitera le contact sur place. Et cette maison se trouve à la frontière de la province de Ouarzazate et la province de Tinguir. Monsieur le secrétaire général expliquera un petit peu le pourquoi des deux provinces. Ce n'était pas le cas il y a encore 4-5 ans. Donc voilà, la maison qui est ici en place permettra d'accueillir, coïncidence des chiffres, 25 personnes. Il est clair que quand on m'a expliqué ça, je dis, il y a ma femme qui m'a fait « non, si ». Bon voilà, je suis tombé amoureux, je suis tombé amoureux du pays, je suis tombé amoureux de l'architecture. Et je me suis dit, mais pourquoi pas essayer de joindre l'utile à l'agréable. Vous savez que c'est souvent mon objectif. Donc voilà, ce sera à votre disposition. Il y a des possibilités, évidemment, d'organiser nos réunions là-bas. Il y a une possibilité également d'organiser vos incentives à partir de là. C'est à 15 km de l'aéroport de Ouarzazate. C'est au bord de la longue droite. Et je suis juste à la frontière de la province de Tinguir, qui est juste à côté. Je suis journaliste indépendant depuis une vingtaine d'années pour le magazine Transcendance essentiellement. Et j'ai rapidement, puisque j'ai droit à deux minutes, m'a-t-on dit, je vais être assez rapide, puisque vous attendez tous votre repas. J'ai rencontré en fait Christian il y a 3 ans maintenant, c'était à l'occasion du Trans Business Tour. Et quand il est venu chez moi, il m'a expliqué le principe du Max 25, il m'a expliqué un peu de temps quoi ça consistait. Et je dois avouer qu'au départ, j'étais quand même relativement dubitatif. Enfin, les journalistes sont assez dubitatifs au départ. Et à l'arrivée, 3 ans plus tard, le voyage au Maroc en plus, mais au fil des années, au fil des mois, je suis devenu de moins en moins dubitatif et de plus en plus convaincu. Convaincu par quoi ? Convaincu par ce que Christian a mis en place, qui est ce que je dirais, c'est plus qu'un réseau en fait. C'est un environnement, un écosystème, c'est quelque chose qui relie des entreprises entre elles, qui au départ, au bout de quelques semaines ou quelques mois, vont probablement soit faire des affaires ensemble ou ne pas en faire, mais au-delà de ça, il se crée vraiment un club d'entreprises et un environnement plus large qui va fédérer d'autres entreprises et qui va dépasser le cadre local, c'est-à-dire le cadre d'origine qui est globalement quand même assez, on va dire, spadois, francorchamps, liégeois, qui va après aller plus loin, notamment grâce à la société Davin qui est basée à Gilly, qui va couvrir toute la Wallonie, qui va venir à Bruxelles, il est venu très souvent à Bruxelles, et qui maintenant, et c'est ça qui est quand même un événement important, a dépassé le cadre belgo-belge pour se déplacer au-delà des frontières, et pas seulement comme beaucoup d'entreprises font en Belgique auprès des pays voisins, mais carrément au-delà de la Méditerranée, au Maroc. Et c'est vrai que c'est encore un nouveau développement, et je suis quand même très, très intéressé de voir comment cela va se développer dans les années qui viennent, et je fais
grande confiance à Christian pour qu'on ait encore de grandes surprises dans les années qui viennent et qu'on se retrouve ici et qui sait, Dieu sait où plus tard. Voilà. Monsieur le secrétaire général, je suis très très heureux de vous accueillir ici à la réception Max 25 au domaine de Haute-Wagne, où on est en Belgique. Alors après une très très longue route, on a l'occasion cette fois-ci de mettre un visage sur un personnage dynamique de la province du Tingir. C'est un échange économique entre nos deux pays sont proches quand même depuis très 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 longtemps. Alors quel est votre, pour vous, le compte rendu de cette soirée ? Eh bien, je crois que cette rencontre a mis en exergue et valorisé nos partenariats. Je parle uniquement des projets qui sont en cours de réalisation dans la province du Tingir. Je fais référence ici au projet d'assainissement, au projet de renforcement du réseau d'eau potable, également à la préservation de la biodiversité et l'écosystème. Je fais référence également à l'appui au programme national de la mise à niveau des écoles rurales. Donc, et je crois que cette rencontre va nous permettre, avec la coopération bien évidemment de Max 25 et de Cercle Inter-Entreprise, de renforcer cette relation et de donner à la dimension humaine de cette relation une autre dimension assez plus profonde. Donc on espère renforcer cette dynamique vers un renforcement d'investissement privé du Royaume de Belgique au Maroc et des particuliers investisseurs à la province du Tingir. La province du Tingir a des opportunités et des potentialités assez importantes, donc on peut exploiter assez communément. Hein. Voilà. Bien, monsieur le secrétaire général, je suis très très heureux de vous avoir accueilli. Sachez que le soutien de Max 25 sur la province de Tingir sera la priorité, évidemment, au niveau du tourisme, au niveau de l'emploi et au niveau de l'éducation. Je suis très heureux de vous avoir accueilli et c'est avec un grand plaisir de vous retrouver dans votre province. Un très très grand merci, monsieur. Merci, monsieur.